Yo les mecs, c'est Petit Bandit. Bon, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous voyez, on n'est pas en train de rouler, on est quand même sur la moto. Une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait, voilà. Donc, je tourne cette vidéo le 16 mai, le lundi de Pentecôte. Pour une simple et bonne raison. C'est-à-dire qu'en fait, donc le week-end passé, donc le week-end du 14 et du 15 mai, je suis allé pour un repas de famille, un anniversaire, près de Nantes. Voilà. Et donc, avec le beau temps qu'il y avait, j'y suis allé en moto. Donc effectivement, la route était super, j'ai fait beaucoup de voies express, mais beaucoup de voies express, un peu de route nationale, enfin voilà, au retour je suis passé par la côte, donc l'Orient, l'Armor Plage Guidel, tout ça, enfin pour ceux qui connaissent, je suis rentré par là. Et autant au retour, quelque chose à dire, mais surtout à l'aller, en fait c'est surtout sur les portions de voies express, parenthèse, le fil, c'est le fil du micro, vous vous doutez bien. Pour avoir une bonne qualité de son. J'ai été très déçu. Voilà. Je fais cette vidéo, c'est, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo coup de gueule. Parce qu'en fait, j'étais très déçu de la mentalité de certains motards que j'ai pu croiser, que j'appelle, le prenez pas forcément pour vous, mais que j'ai appelé les motards du dimanche. C'est-à-dire des mecs qui roulent que quand il fait beau. C'est-à-dire que même un jour comme ça, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ? Même un jour comme ça, les mecs ne vont pas rouler. Alors que pourtant, là, je suis à l'arrêt avec la cagoule, tout l'équipement, le pantalon. Je peux vous assurer que je commence déjà à avoir chaud. Et ça fait qu'une minute cinquante que ça tourne. Mais voilà, les motards du dimanche qui sortent vraiment que quand il y a grand soleil. Les mecs, premier point sur ces donc motards du dimanche. Premier point, les mecs ne roulent pas équipés. J'ai 23 ans. Je considère que l'équipement, c'est très important. Je ne m'imagine plus rouler autrement qu'avec ça. Même si j'ai une course à faire dans mon village, je mets le pantalon de moto. Et pourtant, le pantalon de moto, on pourrait se dire, ça va. Non, l'équipement, c'est hyper important. On ne cesse de le répéter partout sur Internet. Et les mecs, j'en ai vu plusieurs sur des voies express, les gars. Donc, voies express, 110. En moto, on sait que c'est un peu dur d'avoir une vitesse constante. Donc, on va dire entre 110 et 130 sur voie express, voilà. Pour se donner un ordre de grandeur pour un mec qui va rouler pépère, voilà, qui va d'un point A à un point B. J'en ai vu sur voie express, sans gants les gars, sans gants, sur des gros trails BMW, là, je sais plus c'est quoi la référence, sur des gros trails BMW, les mecs ils étaient sans gants à 120 sur l'autoroute, sur la voie express. Mais à quoi ils pensent? À quoi ils pensent ces mecs? À 120 sur une voie express, s'ils tombent, ils s'imaginent qu'il va se passer quoi? Voilà, premier coup de gueule, premier point, donc c'était ça, c'était l'équipement. J'en ai vu rouler sans gants et en jean, avec des blousons, c'était des cuirs, mais je pense même pas que c'était des cuirs de moto, c'est-à-dire que ça se trouve c'était même pas du cuir, c'était de l'imitation cuir, enfin bref. J'ai vu des mecs rouler n'importe comment ce week-end. Voilà, premier point c'était ça. Deuxième point, on parle beaucoup et on parle tout le temps. On en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, les motards, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. L'esprit motard, c'est-à-dire, t'as un gars qui est arrêté sur le bord de la route avec sa moto, tu sais pas ce qu'il a, la moto, bon, de loin, elle a l'air clean, mais tu sais pas ce qu'elle a, tu sais pas ce que lui a, tu t'arrêtes parce que voilà, c'est un motard, il est en galère, tu t'arrêtes parce que voilà, c'est de la courtoisie, mais entre les motards, il y a quelque chose de plus, c'est. Moi, je sais que demain, je tombe en panne au bord de la route. Je pense que le premier motard qui passera, il s'arrêtera pour me demander si tout va bien. Et il sera à même de me filer un coup de main si jamais j'ai la moindre galère, j'en suis persuadé. Et bien cet esprit motard, ce week-end, mon aller-retour à Nantes, je ne l'ai pas assez vu. Les mecs, j'ai croisé des gens, ils me voyaient, hein, parce que. Et ils étaient pas parce que voilà. Tu peux être en train de rouler, tac, t'es en train de rouler, tac, tu passes tes vitesses, il se passe un truc, machin. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Mais t'as les mecs, ils étaient en train de rouler. Moi, je passais, je leur faisais un petit V, main gauche. Je leur faisais un petit V pour les saluer. Politesse et camaraderie entre les motards. Les mecs ne me répondaient pas. Et le mec, il a les mains occupées, mais il me voit, il fait un coup de casque. Ça revient au même, les mecs. On est d'accord, ça revient au même. Mais là, les mecs étaient en train de rouler avec leur femme ou leur copine ou leur maîtresse, j'en sais rien, qui derrière eux. Et les mecs, je les saluais et ils ne me répondaient pas. Et ils n'étaient pas à faire autre chose, ils étaient simplement à rouler. J'ai vu un mec, sans déconner, c'était sur une nationale, c'était pas sur une voie express. Le mec, je l'ai croisé, sans déconner, hein,
Je l'ai croisé, le gars il était comme ça, avec sa blonde à l'arrière, une main sur la cuisse, et il roulait comme ça. Il roulait, paf paf paf. Le mec, je passe, je le salue. Il continue de rouler. J'ai dit d'accord. Et il y en a plusieurs qui m'ont fait péter des câbles comme ça sur la route ce week-end. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Elle est pas longue, il n'y a pas de montage, il y a peut-être pas de musique, je sais pas encore, je verrai au montage. Mais voilà, s'il y a des jeunes motards, même des mecs en 50, personnellement j'apprécie pas énormément les 50 parce que malheureusement c'est une cylindrée qui est trop assimilée aux kékés et malheureusement souvent ce sont des kékés pas équipés qui font n'importe quoi, qui roulent en 50. Mais s'il y a des mecs en 50 qui sont matures et qui tombent par bonheur sur cette vidéo, les mecs, l'esprit motard c'est hyper important. Je suis automobiliste aussi, mais contre les automobilistes on a ça et voilà. Il faut continuer de montrer que l'esprit motard n'est pas mort. Et avec des gens comme ça, malheureusement, enfin moi, les premières centaines de kilomètres, je disais bonjour, mais au bout d'un moment, comment dire, c'est pas que j'étais démotivé, mais quand tu vois que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois même, on te répond pas, ben franchement, tu perds un peu la foi, tu te dis putain, ça fait chier quoi. Donc les mecs, ne perdez surtout pas ça. L'esprit motard, le salut, c'est hyper important entre vous. Je veux dire, je ne salue pas les 50. Je vais pas vous mentir, je ne salue pas les 50 cm3. Par contre, si une 50 me salue, c'est avec plaisir que je lui répondrai. Voilà. Donc voilà, c'était les deux points de mon coup de gueule. L'équipement, hyper important. Enfin regardez, je sais pas. Hop, on va essayer de faire ça propre. J'ai le pantalon, les gants, le blouson, le casque. Et les lunettes, c'est accessoire, c'est parce que j'aime bien rouler. Enfin là, je les ai pas, elles sont posées à côté, mais les lunettes, c'est parce que j'aime bien rouler visière ouverte. Et puis de toute façon, là, vous voyez l'état de la visière, hein. J'ai pas encore nettoyé. Je l'ai nettoyé dimanche midi en partant de Nantes, hein, rentrant chez moi. Voilà. Et la moto, c'est pareil, mais je vais pas vous faire le tour de la bécane. Donc voilà. Ce sont des valeurs qui nous sont propres, qui nous sont chères, les valeurs des motards, l'entraide, la camaraderie, la cohésion, le respect entre les motards. Et ce week-end, ouais voilà, j'ai eu mal à ma moto, j'ai eu mal à mon V. Donc s'il vous plaît, les mecs, ne perdez pas ces traditions, je vous en prie. Voilà, c'était le petit coup de gueule, j'ai pas gueulé, hein. Vous avez vu, j'ai pas gueulé. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule. Si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Mettez-moi ce que vous pensez de ce petit coup de gueule. Voilà, une dizaine de minutes. Là, je vois la caméra, il y a marqué 8 minutes. Donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires, partagez la vidéo. Ça peut créer le débat, ce genre de vidéo. On sait jamais. Donc n'hésitez pas, partagez-la. Partagez-la sur votre mur Facebook, votre Twitter en disant qu'est-ce que t'en penses, toi. Si vous avez des motards dans vos contacts, n'hésitez pas. Donc voilà, sur ce, je suis en train... Au moment où je tourne cette vidéo, donc je suis en train déjà de préparer, comme je l'avais mis sur Twitter, j'ai mis que je la faisais, j'ai mis que je préparais une vidéo, et ensuite j'ai mis qu'elle était repoussée pour celle-ci. Donc je suis en train d'en préparer une, c'est un montage, un petit montage sympathique d'une balade que j'ai fait. Je me casse le cul sur ce montage, les mecs, bref. donc voilà. Je vous dis à très vite pour le montage, et à très bientôt pour une autre vidéo commentée. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ride safe. Et surtout les gars, ne perdez pas cet esprit motard. Peace.